Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. On est le 12 mai, il est 18h30. Je suis venu faire une division encore. J'ai coupé en deux la ruchette et la reine 2019 pour faire un remérage naturel, un élevage naturel, voilà. Pas de picking. Pas de picking en vue cette année. Et après, je regarderai si j'ai une reine dans la Lapidea, parce que j'ai vu que les cellules étaient ouvertes. Et s'il y a de la reine dans la Lapidea, bah, je vais vérifier s'il y a de la ponte. Et cette reine, je vais la mettre dans la divisible que j'ai divisée. Ouais, j'ai pris les, vous savez, les divisibles, hein, j'ai mis d'un côté avec la reine et de l'autre dans le corps. C'est orphelin, mais je vous ferai voir ça correctement. Une prochaine fois. Ouais, c'est un peu le merdier là, un peu le merdier. Bon, tant pis, ça ira par terre. Là, on a quoi? On a la ruchette, ça se casse la figure de l'autre côté. On va ramasser ça. Là, il fait chaud, il fait lourd, c'est très chaud pour un mois de mai. Bon, on va pas se plaindre, mais il fait chaud, il fait très chaud. Voilà, c'est du miel qui a coulé parce que tu vois, il y a. Ça, c'est les cadres à mâles que j'ai découpés. Et toi, il restait du miel là. Donc ça, je vais mettre à la ruche ruchette. Donc elle relève. Hein. Comme je vais prendre trois cadres, ben, je vais rajouter trois cadres. Ou deux cadres, je sais pas. Je vais... Donc ça, pour le moment, on va y mettre de côté là. Ça, on va y mettre là. Donc l'entrée se trouve de l'autre côté. L'entrée opposée, opposée à la ruchette que je vais diviser. Voilà. C'est des anciens mâles, voilà. Donc on va faire ça. On va faire ça. Alors là, c'est une donc la reine 2019. C'est une bombasse. On va faire avec la pissolis, hein. Ben, je l'essaye un jour. Alors elle, ouais, c'est, elle envoie du steak. Hein. Comme on dit, bon, là risque d'être un peu chiante parce que ça fait deux fois que je l'ouvre en peu de temps. Parce qu'elle était sur 5, je lui ai rajouté un cadre. Et franchement, voilà, c'est. On va lui prendre un peu des abeilles tout de suite. La reine n'est pas là quand même. Non. Bon, après, elles vont revenir sûrement en leur ruchette origine. Ma pince, elle est là. Bon, on refait des ponts. Donc cette ruchette, par contre, après, je vais pas la laisser dedans, cette ruchette, parce que c'est... C'est merdique à chaque fois. Oh les filles, vous êtes chiantes, hein. Ouais, ça fait deux ou trois fois que je vous embête pour rien. Je vois déjà que le cadre du milieu que je leur ai mis est bien pris en charge. Alors, c'est un cadre sec que je leur avais mis, un sec avec de la nourriture et un peu de, comment dire, de pollen. Allez, on va prendre ça. Elle a encore un pont. Et la mise. Là, je t'ai coincé un petit peu avec la cire. Là, c'est un peu speed en ce moment. Donc celui-là. C'est un cadre de couvain. On va voir s'il y a des œufs dedans. Couvain fermé, donc couvain naissant. C'est bien. Alors, ouais, il y a des œufs. Oh, il y a des larves. Des larves, mais elles sont un peu vieilles. Elles vont peut-être pouvoir élever là-dessus. On regarde quand même s'il n'y a pas la reine. Non, bah, de toute façon,
Sur le cadre, on va mettre tout de suite là. On va mettre une partition à sa gauche. Et les partitions sont là. Partition chaude. Voilà. Oh, vous êtes bien pète-moi là. Voilà. Bon, avec ce tapis solide, il faut aller doucement apparemment. Il ne faut pas faire comme avec un enfumoir normal. Allez, ça. Écarter. Allez, on se pose dessous la pince. Bon, c'est bien lourd aussi. Hein. Je vous dis, c'est une. Regardez-moi le cadre de couvent qu'on fait. Fin 2019. Hein. Mais non, elles font mieux que les rennes de 2021 et 2022. Hein. Enfin, 2021 surtout. Après, je vais le mettre dedans aussi. Hein. Je crois que faut que je regarde après le cadre d'à côté. Si elle m'a pondu dedans, je vais mettre au milieu. S'il y a des œufs. Bon, on va vérifier si elle n'est pas là. Regardez ça. C'est tout naissant. Hein. Elle n'a plus de place non plus. Donc après les quatre que je vais lui donner, ça sera un pec. Donc celui-là. Parfait. Voilà, quand même, on n'a pas la reine de côté, de l'autre. On va le mettre au milieu là. Pour le moment. Après je le rebasculerai, je le centrerai au milieu. On va voir celui-là. Et la mise sur pas. Je vais tout de suite leur mettre un cadre à bâtir là. Tac. Voilà, pour celle-là. Ah mais décrochez-vous le montant, on lève cadre. Alors ici c'était le cadre, je crois que je leur avais rajouté. Si je ne me trompe pas, cadre sec, pas sec, c'est quand même joli, non, c'est pas celui-là, je crois que c'est l'autre, écoute pas. Bon, regardez s'il y a de la pompe déjà celui-là. Alors, ouais, il y a de la pompe. Donc celui-là, je vais le mettre au milieu. Allez, on se pousse. La reine est là. Donc la reine est là. Je ne sais pas si j'ai pris ma pince. Ma pince, elle est là. Je vais la prendre. Alors, elle est où la reine? Reine 2019. Qui pète la forme. Elle monte. Là. Ouais. Elle est là, donc je peux travailler plus tranquillos. Donc voilà, ça c'est tout pondu, donc on va le mettre là. Voilà, ça on le repousse là. Ça, les abeilles qui vont naître, on va renforcer ce petit essaim. Ici, on va prendre un peu un cadre. On va éventuellement taper les abeilles. Elle va se refaire une santé. Un cadre ça je vais mettre en rive celui-là. Ouais,
sur 4. Ouais, celui-là, je vais le mettre en ruche pour elle. À côté. Hein. Ouais, mais après, je vais être trop le dépeupler quand même, celui-là. Ouais. Hein, pas exagérer. On va juste secouer un peu les abeilles pour renforcer un peu le petit essaim. Voilà. Alors celui-là, par contre, on va le mettre en rive. La réserve avec du pollen. Voilà. Voilà, j'ai foutu le bordel. On va remettre une partition pour l'autre. Par contre, ouais, pour l'instant, je mets cette partition-là, mais j'irai mettre une partition isolante. Hein. Le toit, le nourrisseur de celui-là. Hop. Allez, sors-toi de là. Voilà, l'essaim est constitué. Ici, voilà, ce que l'avait connu, mais ça c'est pas grave, on va rentrer. Le toit de celui-là, il est là. Bon, pour l'instant, je le ferme comme ça. Je note, on est le 12 mai. Division sur Rennes 2019. Voilà. 3 cadres. On verra. Alors là, ici, tac, on remet des cadres. Celui-là. Après, on est dans... là, hein, tu vois, là. On la reposera après. On va basculer celui-là. Hop là. Poussez-vous dessous les crémaillères. Voilà. On va remettre un autre cadre à bâtir. Ne vous inquiétez pas, elle va les bâtir. Hein. Ça, elle, je fais tout à fait confiance. Allez, je vais libérer la reine parce que comme ça va les calmer un peu. Hé, hey, mes mères, t'es où là? Allez, descends. Allez, on va peut-être un petit coup de fumée, ça va peut-être pas trop faire descendre. Non, mais je te demande pas de monter. Oh, Bécasse, viens-moi là. Allez, Bécasse, puis descends. Allez. Voilà, allez, descends, Luc. Allez, toi, descends aussi. Donc ça. Hop. On met là. Celui-là. On va le rapprocher parce que... C'est du cadre de couvain aussi. Bah, dans la fois, elle était sur 6 cadres de couvain. Voilà. Elle. Voilà. Tac. Allez, pousse-toi de dessous. C'est bon. Voilà. L'essaim est constitué. Voilà, donc là je note, ici on est dans le lit, le 12, mais moins 3 câbles de couvain, voilà,
Allez, on va regarder la pluie dehors. Tout de suite, dans la foulée.